au yebi ma cabane sur Félix Aoussala, na libre Belgique, je laisse Moura le dire. Ça, c'est une diplomatie pour les nuls. Et nulle part ailleurs qu'en RDC. Babine, mais Félix Boyamba qui est en Belgique à l'Obi, Félix fait la politique des nuls. Et nulle part en RDC. Parce que ça, c'est un beau qui a dit Félix pour pas en Belgique. Exact. À l'Obi, t'as un idiot, ma fille, dit. Parce que, ah, de Félix à Vanna, ma cabo tout boulot, ah, la Belgique de Bayeb. Ah, ça, là, ça, là, t'es son niveau d'études réel, son fonctionnement, même son état psychologique, c'est connu en Belgique. Et ce que je vous dis vient de la Belgique. Je ne le fais que répéter. Ça vient de Marie-France Cros, journaliste de la Libre Belgique. Pas de moi. Voilà. Fanny était bien parti. C'est peut-être le plus apprécié dans milieu de Congolais et Bélé Awa. Parce qu'il a fait, dans la position, pas trop politique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a comme défi. Tu choisis quelques jeunes Congolais. Dans ce langage, on va toujours le croire. Pomba, ils sont des tocs, vous aurez les gens qui vont venir en affrontement. Je me rappelle avant tout bloqué Ouera en 2008 en Belgique. On lui a même dit, nous on a proposé des choses, Roger Bongo, Sazalaki, ma image, Sazalaki. On lui a proposé ce qu'il devait dire aux autres. Et on était prêts à discuter. Rebi Ouera Loani, soit bêtité en Belgique, c'est qu'il a appelé. Donc le quoi Ouera bêtité en Belgique, c'est qu'il a appelé. Yogi a dit à Sazalaki, ma pratique. Ma pratique, il y a l'église catholique. Il y a la continuité, c'est ça, je sais que j'ai un ami à sa psychologue, il dit toujours, quand vous voulez cacher un secret à un Congolais, ou quand vous voulez cacher de l'argent à un Congolais, prenez cet argent, mettez dans un livre, déposez le livre sur la table, vous serez au moins sûr qu'on ne touchera pas à ce secret, on ne touchera pas à cet argent. Parce que le Congolais ne s'intéressera pas à ce livre. Bonjour, bonjour, bonsoir, Bandia Star, TV Star, TV de l'Ouvra, tout ça, la Moussa, la Bokasité, Yemoko, PDG Mal, la PDG Mal, la Image des Images, la Top FM, de l'Ouvra, Moussa, et ça, la Moura, toujours FM, les sages, la Moussa, la Kaka, Moussa, la Nila, mais ça, la Moussa, la Toulou, il y aura toujours Moka, lui, sur la Top FM, les amas, il y a Moka, parce que tu es vu, il y a 400 Moka, la Bissou, dans l'Ouvra, toujours, je suis un peu plus de temps. Vous avez vraiment un problème dans YouTube, mais les lots, tous les gens qui ont été combattus. Bonsoir, Combatazi. Bonsoir, FM. Bonsoir, Nabaladjan sur Starnet TV. Bonsoir, le pays d'Akolbani. Meilleurs vœux, bonne année. Nabadé connaît sur ton monde à la guité. Peut-être, Mbaladi Bosso, tout ça, l'émission. Donc, je suis là. Nazan à la disposition, Nabido. En tout cas, merci, Combatazi. Mbaladi Bosso, 2020, émission de Bosso. La Combatazi, donc, la Top FM. Merci. Combatazi, tout bandit. Émission de Bissot, vraiment, toujours tout le monde a mis la balkanisation, et nous sommes à la Katiamboka de Bissot. Question de la balkanisation, mythe ou réalité, on a vu Fayulu, Cardinal Ambongo, parle de Balobeliango, et puis marche ou il a qui lobby hier, na Congo, Balpanba et Sukindenini, tout ce qui wapi. Oui, je crois que sur tout le monde a mythe ou réalité, peut-être que ce sera la première fois où je peux dire les deux. Ce qu'est un mythe, c'est-à-dire que psychologiquement ou moralement, ces gens-là nous préparent à une faiblesse que nous ne pouvons plus gérer notre pays, tout quoi, sous gérer un beau cannabis sauté, et que tout bas soit agressé, et qu'ils sont réellement des occupants, ils sont plus forts que nous, et nous devons céder à leurs caprices ou à leurs plans idéologiques. Qui est de mettre notre pays en morceaux et en leur faveur.
Bon, moi, on a mis mythe. Réalité, parce que quand des armées étrangères, bah, on voit pas la bango, les armées rwandaises, ougandaises, traversent nos frontières pour massacrer nos populations, pour massacrer nos concitoyens, et pour installer dans les villages, comme dans les villes, dépeuplées, des gens qui viennent d'ailleurs, comme vous venez de le dire, des gens qui niaient, qui doutaient, le président élu de la RDC, M. Martin Fayulu Madidi, Mafa, s'est déplacé jusqu'à Beni. Il y a passé les fêtes de Noël pour être en communion avec la population. Mais aussi pour se rendre compte de certains détails, c'est-à-dire, il était à Beni, il s'était forcé d'aller au plus profond de certains villages pour constater les dégâts. Batou Bakima, Babengana Batou, certains coins sont contrôlés par des gens armés, mais qui ne sont pas des nôtres. Il a dit, mais Batoussou Bazar, Bazo contrôlé, Bazo Bazar, Batoun Abissouté. Il a même vu des officiers supérieurs, mais qui ne sont pas des nôtres. Ça veut dire en d'autres termes, des officiers rwandais, il les a vus. C'est comme ça qu'il a crié haut et fort que la balkanisation est en marche et en réussite presque à 70%. Malheureusement pour nous, c'est avec la complicité de nos compatriotes congolais. Bon, si tout se limitait au niveau de Martin Fayulu, on dirait peut-être que s'il est le candidat malheureux aux élections, il dit qu'il a remporté, il est contre Félix, il est contre Kabila. Le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, comme s'il voulait vérifier, parce que il faut toujours chaque fois essayer de répéter que dans la tête de nos concitoyens, il y a une confusion. Le cardinal Ambongo n'est pas le chef de l'Église catholique du Congo. Il est cardinal, oui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je répète pour certains compatriotes ou certaines compatriotes qui ne m'ont pas suivi. Il est l'archevêque de Kinshasa, le chef de l'Église catholique. C'est le président en exercice, bien sûr, de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, qui rassemble tous les évêques. Donc quand il est allé à Beni, il n'est pas allé comme chef de l'Église catholique. Il est allé comme un simple visiteur, archevêque de Kinshasa, à qui na visite na Beni, au diocèse de Beni Butembo, qui a aussi un évêque, et ce diocèse appartient à l'archidiocèse de Bukavu. Je ne sais pas s'il faut encore que j'explique. Ouais. Je dis évêque, je dis diocèse, je dis archidiocèse. Tout simplement, n'a qu'à expliquer. Diocèse, c'est comme une ville ou l'ensemble de plusieurs villes. Comme Beni Butembo, c'est un diocèse. À la tête, il y a un évêque. Ça va subdivision ecclésiastique. Bon, soit archidiocèse et rassemble à plusieurs villes, voire plusieurs provinces. Province Nyonsoya Est. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, c'est l'archidiocèse de Bukavu. Sobabi, l'évêque, par exemple, le cardinal Amoré, archevêque de Kinshasa. Aza d'abord évêque à Kinshasa parce que l'église à Kinshasa, yende aza mokondi. Il est archevêque de Kinshasa, c'est-à-dire quoi? L'archidiocèse, c'est comme l'ensemble de plusieurs provinces. C'est comme ce qu'on appelle, c'est justement qu'on appelle province ecclésiastique. Donc, tout Bandundu réuni, diocèse d'Idiofa, Kikwit, Popokabaka, Inongo, toute la province du Bas-Congo, Bas-Congo central, c'est-à-dire diocèse de Boma, Matadi, Kisantu, réuni plus Kinshasa, cet ensemble-là s'appelle archidiocèse. On l'appelle aussi, l'archevêque, l'évêque métropolitain. C'est-à-dire que quand ils se réunissent dans l'archidiocèse, c'est l'évêque titulaire et la diocèse qui a présidé la réunion. Comme capitale Nango, le siège Nango est à Kinshasa, celui qui est à la tête s'appelle archevêque. Comme l'évêque de Bukavu est l'archevêque de Bukavu. Parce que quand on réunit toutes ces provinces, quand tous ces évêques sont en réunion, c'est lui qui préside. En d'autres termes, canonique, c'est-à-dire en droit ecclésiastique, on l'appelle aussi évêque métropolitain. Donc il n'est pas allé là-bas en visite comme chef de l'église, il est allé comme un évêque qui veut par sa curiosité voir ce qui se passe. L'évêque a comme il est confus, alors non, c'est en voie d'être balkanisé.
Et pourtant, Monseigneur Ambongo, moi, il m'a déçu. Parce que Tango Yoba a installé qui est comme cardinal et qu'il a reçu le cadeau de Jeep. Alors, bah, nous sommes dans le changement parce que Félix lit les paroles aux actes. Mais quand il est allé à Ben, il a constaté les dégâts, il dit non, non, nous sommes en danger, nous sommes en voie d'être balkanisés. Et suite à tout cela, rentrons à Kinshasa, Martin Fayulu a fait un discours et il a retenu la date du 17 comme mémorable pour poser un geste haut et fort et symboliquement significatif. Le 17, ça date à Liwa Lubumba. Déjà la veille, le 16, ça date à Liwa Laurent Mzé, Laurent Désiré Kabila. Alors, Bakis marche ou dans le sens moko, non à la balkanisation, c'est-à-dire Moutor Kabulambo Kanabisoti. Et nous, moi personnellement, je dis, il faut répéter à ces gens-là haut et fort. Vous n'aurez pas notre RDC. La RDC appartient aux Congolais. Il y a un marche ou ça les maquis. Bon, ce que Zaki, non à Chilombo, Félix, ton nom à Kabila, moi je comprendrais que ça marche. Ouais. Babi, non à la balkanisation. Ça veut dire en d'autres termes, oui à l'unité de la RDC, au vivre ensemble des Congolais. Mais pourquoi Gentiline Ngobila avait interdit la marche? Pourquoi Général Kasongo et Chilombo et toute la compagnie voulaient interdire cette marche? Malheureusement pour Nabango, ils voulaient interdire, mais le peuple congolais, le peuple congolais de Kinshasa, a bravé cette interdiction. Ils sont venus à la marche, à la paroisse Sainte-Famille. Après la messe, ils ont marché quelques kilomètres. Je leur dis bravo. On était des cœurs avec eux. Voilà pourquoi les lots, le 18, nous avons voulu relayer leur volonté, les soutenir et montrer notre communion de cœur. Il y a un peu de les lots de tout cela. Il y a une marche qui a mené la France. Non à la balkanisation. Donc l'initiative, qui déjà de dire que les Rwandais nous agressent, sauf qu'on connaître au Kenya, on a la guerre. Martin Fayulu a dit non à la balkanisation, c'est une manière de dire que, écoutez, comprenez quand même que finalement, Moko est à Bissau. Ces gens-là, nous sommes beaucoup à total, lesquels sont esprit, et il est temps que même les plus imbéciles de Congolais comprennent que nous sommes en danger, et tout ça va côté nos divergences politiques. Moi, j'appelle ça nos divergences politiques. Parce que pour balkaniser un pays, tous les pays qui ont été balkanisés, en tout cas, c'était une volonté des peuples qui ne voulaient plus vivre ensemble. L'exemple du Soudan. Parce que le Soudan Nord, le Sud, il y a raté. Yougoslavie, Serbe, il y a un Kosovo, Kosovo, il y a un Bosniaque, Bosniaque, il y a un Kosovo, il y a un Bomana. Nous, les Congolais, on n'a jamais, jamais exprimé le moindre désir de nous entretuer. Nous avons un seul désir, c'est lutter de notre pays. Donc, quand on a une balkanisation, on a une chose, c'est les deux. Et cause à la mythe et cause à la réalité. Mythe parce que nous tous les Congolais, ils attendent que tout cabane. On vit ensemble même ceux qui battent la raté. C'est juste peut-être par égoïsme, nous soit l'imbon ou et tout. Mais que notre pays soit divisé, non. Je peux même avouer que ça, si côté comme une réalité, ça dit c'est une volonté maléfique des ennemis de la RDC. C'est des battements sous des gens vieux de notre pays veulent que ce pays soit balkanisé, soit saucissonné. N'a pas morceau. Pour qu'eux, ils tirent profit. Mais ils sont en train d'utiliser les Congolais faibles. Voilà, voilà en résumé ce que je te dis. Les abissos, tes abangos. Mais sur les abissos, tes abangos. Donc, Bissot, nous qui avons pris conscience, ces gens nous auront sur leur chemin. Nous nous battons déjà depuis des années contre cette balkanisation, contre toute tendance de diviser les Congolais pour que les étrangers en profitent. Mais nous nous battrons jusqu'à la fin de notre vie. Même s'il faut donner notre vie, on le fera. Voilà pourquoi symboliquement, la date du 17 a été retenue par Martin Fayulu. Parce que Lumumba a donné de sa vie très jeune à 33 ans, pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Et nous qui avions dépassé cet âge. Comment est-ce que tout ça, quand on a tout ce qui place, voilà, surtout nous, dans l'interdiction, il y a marche, et ça m'a dit, lobby, hier, il y a les 17. Comment est-ce que nous avons noté les millions, pourquoi on va interdire? Mais tout le monde dit, comme ce sous le lobby, ce qui va interdire ça, c'est parce que nous avons besoin de balkanisation, mais tout ça, les soldats dans l'Abisso, et le Congo et le FARDC, ils sont sur le terrain, ils sont occupés par, pour bien dire, les rebelles rwandais, ougandais, ils sont chassés. Mais ils sont obligés à motiver la balkanisation. Tandis que Mboka, ils sont tous les tous les unifiés, tous les bolingo, ils sont obligés à tout la balkanisation. Mais Kuna, Makambo, qui est très bien, ils sont obligés à motiver. J'ai dit deux choses. J'ai dit, ou c'est un mythe, ou c'est une réalité.
Ce sont les frères DC aux autres qui ont récupéré Ituri. Tout ça, on a eu une émission sur Ituri. Cinq ans annexés en Luganda. Cinq ans. Nous sommes venus comme ça en province, naïe officiellement. À comment nommer notre gouverneur? Province à mon égard coquetté. À comment l'ingo comme ça en République? Batoubatanga, bazo batanga, batanga. Sur Betty na Google République de Ituri. Depuis quand nous sommes venus annexer? Naïe c'est que opération Artemis nous t'a libéré Ituri. Opération Artemis c'est ça y va foncer na balbon. Est-ce que c'était le faire RDC? Les lots banda ba banda ba soko ba def na lo basile mais dans le bas en 2014 que basile bazonga il continue à contrôler ce ba soko ba FDLR basile comme si on le sanga que Minembo était récupéré par les FDLR Minembo na ba général ba ngumino ba baxi susu deuxième fraction avec ba colonel ba longwe na faire des ba rwandais ba moniki ba izoinda ba longwe na mona faire des ba ke renforcer groupe rebelle ya ba rwandais ba ndikolo ba demulenki et puis minembo so ke minembo za sous contrôle ya faire des so di faire des c'est à dire force armée de République démocratique du Congo donc armée nationale ba ngato récupère minembo est-ce que le général Yakotumba et les maïmaï font partie de notre armée nationale? Non. Ce sont des forces d'autodéfense populaire qui contrôlent Minembwe. Et au moment où je te parle, depuis hier, ils ont récupéré le contrôle de Baraka. Parce qu'il y avait des affrontements à Baraka et à Kalemi, dans la, toute la zone Fizi. Parce que colonel, il y a Rwandais, il y a une armée, il y a Congo, après brassage, il faut renforcer les troupes au Rwanda. Ça rappelle un combo compliqué. À part les Ngoumino, il y a créé un groupe, il y a un Ntangwaye Hiro. Est-ce que ce sont les frères de ceux qui sont allés contrôler Minembwe? Ce qui est le général Yakotumba, qui est avec les Maïmaï, Minembwe est sous Kawapi. Qui aurait le contrôle de Minembwe, de Baraka, dans la zone Banaï? Il y a une zone fissionnée. Non, il ne faut pas dire de bêtises. Et puis, tant que vous avez besoin de la il faut mettre maintenant un terme à combien de groupes armés à l'Est? Combien il y a bazo botamaka ko matiti bazo botamaka pas plus loin ba opération pour salami na nord ya Beni contre les FDLR et c'est l'armée rwandaise qui l'a fait, c'est pas le FARDC. Soko tete mboko tu mon ministre chargé de l'Afrique de l'Est du Rwanda azo féliciter ba FARDC pour avoir collaboré avec l'armée rwandaise pour attaquer cette zone là ba Kimisa ba FDLR bazaki côté wa collaborer, c'est-à-dire qu'ils ont collaboré logistiquement et militairement. C'est-à-dire qu'il y a des troupes rwandaises qui sont venues la semaine passée. Bonjour, la victoire des FARDC. Les FARDC, au contraire, mon groupe, je suis dans l'Est, mon frère, ce sont des groupes mafieux. Je suis dans le quartier, côté où on a un minéré, le quoi, un piaka. Et certains occidentaux, hommes d'affaires, c'est de la jungle, l'ouezate. Il y a des zombies qui ont des avions, qui ont des avions, qui ont des jets privés qui viennent exploiter. Regarde un peu. C'est catastrophique. Et c'est dans ce sens-là que s'orientait la communication de Mouzito. Pas seulement le fait qu'on fasse la guerre au Rwandais. Mais il a dit, au-delà de la multinationale qui signe des contrats mafieux, il faut une revisitation de ce contrat. En tout cas. Et pour ton information, je te dis, il était ici la semaine passée. Il m'a appelé, pas directement. Il a dit à ses gens de m'appeler. Et il a voulu me rencontrer, je l'ai rencontré le mercredi. Parce qu'il a pris son avion le jeudi, poison à Kinshasa, parce qu'il a participé à la marche à Lobby. Nous avons discuté pendant 2 heures sur les problèmes fonciers en RDC. C'est-à-dire comme on m'a bêlé. Loi Nabiso, droit foncier, Nema Belou Nabiso Zali, qui est propriétaire. Tout ça, droit foncier Nabiso, va être explicité par la loi Bakajika. Le sol et le sous-sol appartient à l'État. Mais qui sont réellement des propriétaires de terre? Ma chef coutumier. Mais Roubaix, Rouana, Batoune, Bazo, Boumaka, ma chef coutumier, dans le village. Sont pas propriétaires de terre. On les remplace par des inconnus, ou des gens faibles, ou alors des originaires Yabambo Kawala, pour que Bango privé on a sur ma terre Nabiso. Et comment se signent les contrats et multinational dans le village reculé, ceux qui chef coutumier bazate. Or tu dis que logiquement pas Nabiso chef coutumier c'est comme pas seulement des princes mais c'est comme des rois. Et puis ils ont l'héritage par succession familiale.
pour essayer de falsifier les contrats bazomba ben la biso oyibi kaya ya bombero ezali au kabila zoka territoire même kaya kamuna sampuna repetaka na bato ezati kaza ki rebelle. Donc ba yebi ça qui a déplacé la population parce que Kabila avait déjà signé des contrats avec des multinationales. Or déplacement forcé à la population, c'est un crime contre l'humanité. Donc le col à boue qui yango ba attaquer qui pour ba bomayer bazoma belewa. Donc les cambots tout comme ya bitumba ce qui a été l'objet de notre échange mercredi soir avec monsieur Adolphe Mouzito. Pendant 2 heures nous avons dit nous allons faire ensemble des communications sur les affaires foncières en RDC. Comme ma belle, n'en a zoté comme ma belle n'a bisou. Bazoté a te balkanisation a te comme mobimba. Le bazoté kabisson de balbaranami picou, moukie mouki. Au secteur ouana chef coutumier moko boya teke la ou kabila, n'est pas ma bombero. Au secteur ouana chef coutumier a teke la ou multinationale. Et ceux qui binon population locale a résisté, baïna mando qui ba bobibido. Entre temps, on profite, on fait 2 choses. Ba teki ma belle n'a bisou. Donc, ces gens-là vendent à vil prix notaire. Et quand vous résistez, ils en profitent pour soit nous exterminer, soit déplacer nos populations. Ça, ils ont un problème de foncier au Tosanango. Et les jours à venir, donc communiquer Nango sincèrement pour que le peuple soit comprendre que tant que la balkanisation, c'est le Kamouné, le Tebaya, le Katika, le Mbokango, le Bazo Kenapso progressivement et par plusieurs méthodes. Et ça, sont les méthodes travaillées par des bureaux d'études ici en Europe. Et bien, document sous Tokoué Nango, on va travailler sur Nabilo Kouana. Pour tout ça, la bango contre-offensive. En trois bâtonnages, je vous dis sincèrement, année 2020, ouais, bagaza année à libération, bisou bagaza année à détermination. C'est-à-dire, bâtonnages, ils nous auront sur leur chemin. Donc, ticaté, on va leur montrer qu'on est intelligent, on a été sur le banc de l'école, on maîtrise les dossiers, on maîtrise notre droit foncier. Grande question que nous avons, même loi Bakaji Kawana. S'il y a des vides juridiques, dans la loi, on a un chef coutumé, on va passer à Batmoussous. Loi, on a, soit ça sera renforcé par rapport à la situation de l'occupation, soit tout modifié en gros, soit cette loi-là sera revue dans ses points faibles. Nous sommes là et on travaille sur ça. Et M. Mouzito m'a rassuré qu'il travaille sur ça. Je dis, M. Mouzito m'a dit qu'il travaille sur ça. Je n'ai pas affaire à la personne de M. Mouzito. Dans le bas, qui a déjà dans l'émission passée. Baïdo Yabimisa Kiwana, je l'appuie. Et Baïdo Azo Misasiko sur les affaires foncières, parce que. Les affaires foncières, pardon. Parce qu'on dit les affaires foncières comme Mabélé. Ma belle wana les obo ma biso parce que ma belle a raté ma frontière wana. Ma belle la biso a terre fertile pour l'agriculture. Le sol et le sous-sol yango na ma belle. Ils ont un minéraux les obo mais ça sur quoi cobalt na coltan. Ba to ba signer ba contrat ndeni. Ba zo ngon ndeni. Ba biso zo ya ngaka wa tonga ndako non. À faire l'étude topographique géologique avec na simanda ko coltan zali. Comment un chef coutumier peut vendre ses terres? Est-ce qu'il faut tout dire le chef coutumier liberté de vendre les terres à n'importe qui? Est-ce qu'il faut renforcer l'OAT parce que ça va protéger Mabélé Nabissou? Donc, il a accepté de travailler sur ça. A quoi ça la communication sur ça? Ngapé n'a pas la communication sur ça. Donc, il faut nous dire que Makamba Congo, ils ont tellement compliqué et complexe, on a laissé trop de temps et avec lui, nous avons parcouru l'étude des Bélé au étranger, entre autres, Rwandais. Parce que ça, c'est l'abissou Moko par rapport à la loi Nabissou Moko, je vous le dis, Bandekolanga. Donc, on va vendre la loi Bakajika, on va la vide juridique. Ils utilisent même les entreprises étrangères, donc, le zombie secteur, le chef coutumier, le zombie, le chef coutumier, le chef coutumier, le installé, et le avantage pour le zombie. Donc, tout ça, on va travailler les jours à venir. En tout cas, merci, Komata Zibli. Merci vraiment, Nassir Ouyoki, pour la balkanisation. Komata Zibli, expliquant vraiment, qui toque donc, tout le zombie, la soussou, la Sijewana. Si on est allé à Poto, Tikamote, Toké, Mangoti, Makambo, Vuna, et les autres directions, bien. Comment est-ce que tout le monde a une élection? Tout le monde a une élection à l'époque, en 2018, l'élection de gouvernement, il y a une élection qui est bien. Il y a une élection qui est très bien, très bien. Maintenant, il y a un candidat invalidé, pour bien dire, candidat invalidé, Félix Nakabila. Bah, pour mettre Bango, pour bien dire, parce que FCC n'a pas cash pour travailler ensemble, ça, ou Félix n'a pas Kabila, tout ce qui est dans le monde. Pour mettre Bango, bah, salaire, comme bah, député, ou bah, travailler, ou bah, en fonction, ou bah, salaire, bah, siéger. Et pourtant, tu as dit qu'il y a un cannabis, tu as dit que tu as un pays, pour bien dire, bah, enseignant, bah, malgré tout,
bah qui ceux qui gratuité des balobaki mais bah enseignants jusque là bah ça pas bien payé pour bien dire bah médecin et tout moni bah avocat bah secteur belé bah zone là là bah un paiement ça coule mais Félix et Nakabila bah demi qu'on fout bah candidat malheureux pour bien dire au bah zone quitté bah député réaction de Kozandé. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, l'élection, je veux dire, je suis condamné à Martin Fayoulou pour réclamer la vérité des urnes. Je veux dire, parce que le coup de la PV, ça l'a raté. Pour l'élection, nos résultats n'ont jamais été légitimés par des procès verbaux. Donc, je veux dire, je veux dire, Félix a gagné un autre. Tout le parlementaire a gagné un choix multiple. Il y a un choix multiple. Il y a A, B, C. Pour s'il n'y a pas de procès verbaux, il y a un validable en fonction. Parce que le PVZ, si il y a un validé, il y a invalidé en fonction. Et puis, le cours constitutionnel peut invalider alors que il y a un PVT. Parce que le cours constitutionnel peut gagner un invalidé injustement. Sans PV. Alors, ce qui Félix, na Kabila, Barbie va rémunérer Bango. Na évite surtout bien bien on y. Na bien ango salaire, na bien ango récompense, na bien ango forme à compassion. Mais terme ni ne va trouver cette décision inédite et non orthodoxe en fonction de quelle loi. Sous Bango Baléli, ce qui Nanga avait dit que les élections se sont bien passées. Ce qui Chilombo Baba que ça s'est bien passé. Mais comment on arrive à ce genre de choses? Ça, c'est vraiment la grandeur de la sottise. Il y a FCC Cash et une profondeur de la bêtise. Ça prouve que, en trois temps, il y a Ndoki à Congo, je crois que, na Cash, na FCC, il y a Congo, il y a Ndoki. Pour que les salatés, ils sont comme les députés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a fait un peu, il y aura une réunion inter-institutionnelle à la fin du mois. C'est là qu'ils vont décider de mode opératoire, il y a paiement, il y a batouane. Et ces 31 personnes, en tout cas, excusez-moi, ces ramassis des idiots, je ne les ai pas insultés, c'est un qualificatif. Ceux qui me suivent et qui me soutiennent, excusez-moi pour le terme. Je dis ces ramassis d'idiots, ces 31 personnes ont remercié publiquement et officiellement Félix Tshilombo, soi-disant chef de l'État, et Kabila, soi-disant président honoraire. Mais on est en train de parler des matières électorales qui dépendent de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Donc ces deux personnes, ces deux partenaires, sont ma frère Siamon, sont ma frère jumeau, se substitueraient aux cours et tribunaux chez nous, à la CENI. Et pourtant donc, ni la CENI, ni la Cour constitutionnelle, ni FCC, ni CASH, donc Moutoumoko Azalababa, PVT. Si on a fait pendant combien de temps? Un mois. Au nombre de 31, j'ai calculé. Le salaire de nos parlementaires, c'est plus ou moins 8 000. Et nous sommes un pays en crise. Nous sommes allés faire un prêt de 368 millions auprès de la Banque mondiale. Donc, si on va foutre avant en un mois, c'est 8 000 multiplié par 31, donc 248 000. Qui sera payé par le Trésor public, donc l'argent du contribuable congolais, alors que enseignant et belé dans un pays, on a un salaire à compte-goutte. Tata wana ilunga ilu kambawan azaki na SNCC donc ba fonctionnaire public kuna baza 20 mois impayé tout manquer liquidité donc so ba futa batona pendant 2 mois donc chaque mois c'est 248 000 j'ai calculé na tika 8 000 tant que salaire par la bataille comme 10 000 so ba futa bango mbula bomba l'état va perdre combien eux-mêmes ils disent on remercie parce que un arrangement a été trouvé avec le chef de l'État et monsieur Kabila quand on parle d'un arrangement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Makamambo, qu'on parle de l'arrangement, ça veut dire quoi? Deal. COP. Moi, je pose une question. Puisque Fayoulou parle, mais Tozal m'a prouvé au moins que c'est Fayoulou qui a remporté les élections. En tout cas, l'unique preuve qui existe, au niveau de l'Église catholique, il y a Senko, il y a ECC, Simozel, même na lanceur d'alerte, na serveur et Yasseni, que c'est Fayoulou qui a remporté les élections. Et Kabila, président honoraire, reçoit plus de 600 000. Soit 685 000, soit 645 000. Est-ce que Félix peut se dire, bon,
comme c'est Fayulu qui a remporté les élections, Fayulu a droit aux émoluments au niveau d'un chef de l'État. Mais mon frère n'a yébité ça. Il faut être foncièrement idiot pour le faire. Je suis désolé, je serai rigoureux. Et dans un pays en crise, ce que bato bena bazo ki no salaire pas ba chinois, na ba indien, bazo beta ka bango, bazo ba salaire na bangote, ils vont se plaindre où? Bato là c'est leur droit, qui les protège? Donc ce que bolingo pesa mbongo na bato ba salaire raté. O ba vain ba bandar qui réclament parce que ils veulent avoir le rang de député. Mon ikop côté mimbiso. La république de la honte. Franchement, nous sommes une république de la honte. Au Yébi Makamono, sur Félix Sao Salah, na libre Belgique, je vous laisse, c'est moral au bien. Ça, c'est une diplomatie pour les nuls. Et nulle part ailleurs qu'en RDC. Babine, mais Félix Boyemba qui est na Belgique à l'Obi, Félix fait la politique des nuls. Et nulle part qu'en RDC. Parce que ça, c'est un beau Kébi, Félix, pourquoi Belgique, exacté. À l'Obi, t'as un idiot, ma fingité. Parce que ah de Félix Avanda, ma cambo tout boloaka, ah la Belgique de Bayebi, ah ça la salaté, son niveau d'études réel, son fonctionnement, même son état psychologique, c'est connu en Belgique. Et ce que je vous dis vient de la Belgique, je ne fais que répéter, ça vient de Marie-France Cros, journaliste de la Libre Belgique, pas de moi, voilà. Bonjour, il y a journaliste sur le Bakéon, Pélagie Mala, tu as aussi une publicité, tu peux m'en moquer, à Potozon, Pélagie Mala, publicité. Yo nous demandons la fête. Starnet TV à Saoana Ponabino. Oh yo zana campagne évangélisation. Starnet TV à Saoana Ponabino. Oh yo zana chaîne de fouler. Bino, bala en Zambé. Naba fête nabino. Naba mariage nabino. Naba anniversaire nabino. Et si quand nous sommes là, au Banga. Starnet TV à Saoana Kakapa Sepulisabino. On a dit mariage, n'a pas mes mangos, les cacaillons de vos cousins. Tous en ont partout. On est, il y a un mariage, il y a un mariage qui est là. Tous en ont mal. Tous en ont mis l'eau pour essayer de faire des cacaillons. Alors, vous venez là, vous en avez un mariage. On est là, vous venez là, vous venez là, Benga Star Net TV. Vous en avez solo, il y a bien. On est là, vous venez là, Benga Star Net TV. Merci Zambéa, Pamola Bino. Merci PDG Mala, merci pour la publicité. Merci pour moi, la bande de coups, tout le monde, la bisso, la Starnet TV, la Top FM, dans le Bakka, tout ça, la comme ça, là toujours. Nous allons combattre Zibé, nous allons continuer dans le combat Zibé. En tout cas, je vais vous dire, si vous avez toujours une question, vous avez dit que nous avons une marche, marche de Salamagi Lobinaki, le 17, et puis Lélo à Paris. Pour bien dire, le monde à Paris, tout le monde va combattre, va marcher, va combattre, va marcher. Puis tout le monde, suite à la réunion au Ibukendaki, semaine passée, samedi passé, tout le monde, suite à la réunion, il y a pour le concert, il y a Fali, paraît-il, réunion à Bidou, la réunion, puis pour le concert à Fali, tout le monde, il y a une réaction à combattre Ziblé. Et puis, combat la réunion 2020, où il y a non, d'abord on a corrigé directement. Réunion Zaki était pour ou contre concert à Fali. Concert à Fali, d'abord Zaki objet à Réunion Absolue, ça faisait objet à divers. Ouais. Mais Ania Siki Bandi, le cas ma campagne, c'est que Bélé Zanambo Kanabiso, Toyokanaki, n'a bandé que Bélé, donc bienvenue Bambalé, Boketchwa Yambo, Esso, Vieux Eddy. Et tout bien que c'est bande connue sur ma combattant, on a un groupe Nabango Bazalaka parce que parfois les gens confondent. Le combattant c'est un mouvement, hein? Mouvement ma combattant. Bah toi ça on a un groupe Nabango, un groupe à réflexion Zali, un groupe Monsieur Belé Zali Oyebi. On a autant à combattre. Tu connais qui tout coûte un an total à tout bandané au Ndengenini. Tu connais l'ancien Ndengenini par rapport à bah défi au tout ça Nango. Le problème c'est qu'il te répertorie non il y a combien de groupes, hein? Oh au moins Bazalaka très actif. Bah on va collaborer avec le gouvernement voilà. Et après, chaque groupe a besoin de quelles compétences? Parce que l'objectif principal des alliés, réunir nos compétences. Parce que si on est titulaire qui Kamoukoua Ndeko Dombo, a un problème dans l'État, au sein des combattants, dans les groupes, nous avons combien de juristes? Surtout, on a un problème informatique, on a à peu près combien d'ingénieurs informatiques? Et après, tout le monde a besoin pour qu'ensemble, nous concevoir d'autres stratégies qui nous ont manqué. En résumé, le quoi bon, concert a fallu pour la gare, la ligne, le blanc, parce que Nabi, ça faisait l'objet de divers. Au moins, tu ne l'as jamais que concert et zombie.
So fallait monika comme makasi bia obeta concert yem ta oyeba. Mais il nous aura sur son chemin. Et pourtant, il y avait un travail à faire dans ce sens. D'ailleurs, Renio Zolobana, c'est moi qui était le modérateur. Bon, c'est moi qui étais choisi comme modérateur à la Bandeko. Donc, on était en train de travailler pour total à la musicien. Fanny était bien parti. C'est peut-être le plus apprécié à la milieu à Congolais et Bélé Awa. Par ce qu'il a fait, dans la position pas trop politique. Mais ce qu'on y a, c'est comme défi. Tu choisis quelques jeunes Congolais. Dans ce langage, toujours le quoi, alors, vous aurez des gens qui vont venir en affrontement. Alors qu'il y avait moyen d'évaluer, blocus n'a pas un musicien, quel musicien a fait un effort? Figure-toi que si on a fait un effort, on a un musicien Nyons. On a un effort, un musicien Basali. Pour ne pas causer un cinéma politicien. Surtout pour ceux qui ont un cannabis. Ceux qui ont été du côté du peuple, Fali l'a fait, fallait qu'il y ait un hôpital, il n'y a pas des femmes violées. Fali a été auprès du docteur Mukwege, Fali a fait dedans, ça, tout le monde a apprécié. Mais après, laissez-nous le temps de discuter, les pour et les contre-concerts, on trouve un compromis. Dans quel exemple, bon, figure-toi, c'est nous-mêmes les combattants. Dans ma petite moussoussouba, la musique est zonga, qu'on aurait discuté. Hein? Et que tu lui dis, non, nous, on a choisi Fali pour tel effort. Pour tel engagement social. Au moment où ils sont partis à la cima, ils peuvent poser des actes en ce sens. Même si on va sur la tombe, ils peuvent se repentir. Parce que ce que nous on veut, c'est quoi? On a parlé de Mouzito. Qui ne sait pas que Mouzito était premier ministre de Kabila? Mais au Mouzito, ça a ningisi batoa. Ça a encouragé beaucoup de gens. Aujourd'hui, sur le plan de la communication, je ne dis pas sur le plan du combat. J'insiste, la communication. Mouzito a posé un acte communicationnel qui a secoué même beaucoup de gens qui dormaient. Ça, c'est encourageant. Fali a posé beaucoup des actes encourageants. Mais Soria Kanti, Bato Yazuba, Pomba, il a fait fausse route. Et sur le plan de la communication, il a péché. Il ne fallait pas que ça se passe comme ça. Sokeza Bongo, il a défi. Je te dis, Akoya Wana, il nous aura sur son chemin. Parce qu'il ne peut pas s'imposer. Oui. Quand il y a un mouvement de blocus, le mouvement est général. Le plus important, c'est l'acte qui est posé. Pardon? La musique est un trait culturel. C'est un élément de la culture. Tant que tu ne sais pas que c'est un élément culturel. Oui. Parce que façon qu'on l'a, c'est un élément culturel. Tu ne sais pas que ça fait partie de la culture. Déjà, la plupart de nos musiciens sont des gens bêtes qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Nalobi, j'assume. Je dis la plupart, je ne dis pas tous. Il y a des gens qui ont étudié. Quand tu parles avec Kofi, tu sens qu'il a étudié. Wazek a étudié, même s'il se comporte aussi comme un voyou. La plupart, ils sont bêtes. La musique, ce n'est pas de la culture. Comment on peut réduire la culture a un trait culturel. Même la façon de vivre en société, le respect entre les plus jeunes et les plus vieux. Pas la biseau, pétuas dans l'âge d'autant bien on a comboté. Soit bien on a été bien au vieux. Tu ne sais pas que c'est de la culture. Ah, bah la mine de l'eau, sur mon nom, papa né Laurent. Papa l'a qu'il n'a pas bien Albert. Yo, moi, n'a l'a qu'il n'a pas bien Fabrice. Ça, c'est de la culture aussi. Et puis, la culture n'est pas un mélange, n'a pas élément mon sous des cultures étrangères. Chez nous, on a aussi la culture de la pudeur. Culture, il y a de la musique, ça, c'est pas notre culture. On ne va pas le dire que bon, on a un américain, ça, moi, je ne suis pas américain. Ça fait partie de notre culture. Alors, bisous de tous les donc les plages étaient, on a un 18 ans, on a un maillot de bain. Pour un maillot de bain, ils ont sous-vêtements, ils ont calé son quinté. Je vis en Europe, je suis intégré, je parle néerlandais, je parle anglais, mais dans mon cabanier, dans ma sous-vêtement, dans la plage, dans ma caleçon, ça ne se passe pas parce que ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas parce que Aikon, Salakiango, To Nabinganan, ceux qui sont musiciens américains, Kofi Azu a recopié, Botala Angola, on ne fait pas un transfert de culture comme ça.
Il y a des éléments culturels et transnationaux. Il y a des gens qui ont bloqué parce qu'ils se sont impliqués politiquement dans la campagne électorale. On leur a interdit. Pas parce qu'ils ne peuvent pas prendre une opinion politique. À cause d'opinion politique. Mais le cas de la RDC, ce n'est pas le cas des pays européens. Nous sommes occupés, on est en guerre, on a battu le record de nombre de massacres. Plus de 8 millions de morts, c'est beaucoup. Plus de 6 millions de morts des Juifs ou bien au Shoah. 800 000 Tutsis, génocide reconnu et qui a connu le plus gros marketing. Et plus de 8 millions de morts, nous, on voulait tout simplement qu'on parle de nos morts, qu'on trouve une solution. Il y a un sanctionné qui bango. Ton rôle va être sanctionné A, ton tiki B. On a bloqué tout le monde. Pour que il faut réouta du côté de tout le monde. Je me rappelle avant de bloquer Ouerana, 2008, en Belgique. On lui a même dit, nous on a proposé des choses, Roger Bongo Sazalaki, Bahima Sazalaki. On lui a proposé ce qu'il devait dire aux autres. Et on était prêts à discuter. Rebi Ouerana, soit à bêtité en Belgique, c'est qu'il a pédé. Donc le quoi Ouerana, bêtité en Belgique, c'est qu'il a pédé. Fallait pas bien au bêta. Non, fallait pas le problème, qu'il a bêta, toi bêtaté. Ils ont marqué Sinaï. Mais nous on fera là pour leur ressortir les barrières. Et pourtant, on était ouvert à la discussion. Et je t'informe. La réunion où nous étions en France, on a appelé Petit Nayo Salabamba Snap. Au Bazo Ngaobé de ses concerts, ils étaient là. On leur a même donné la parole. C'était moi le modérateur. J'y vais le Coran à Zalaki. On lui a donné la parole. Quels sont vos projets? Parce que nous, on a parlé de nos projets à nous. Petit Nayo Salabamba Jimmy, Zalaki, tout ce groupe-là, Barabas, ils étaient là. On les a invités. Pour te dire que ce n'est pas par peur que tu as Bazalaki, on a ton pessi dans nos places. Yoka, pourquoi nous on bloque? Et quelles sont les perspectives? Si on te bengse bango, c'est parce qu'il y a un travail qui se faisait dans ce sens. C'est bango balobakini. Oh, l'unité d'abord des Congolais. Bango moko, Jibé le Kora avait pris la parole. Natangi, Jimmy Azali Bogorotuna. Bango balobi que non, bisto ko bundate entre sous la Congolais. Madame Tobunse Barwande, bazo bouma, que Tobunda entre biso et surtout pour la concert. Bazalaki na réunion wana, na bagnolé, na le manaton. Donc j'étais le modérateur, peuvent te dire. J'y vais le courant le bac en gros. Mais après tant que bimba ça va snap qu'il fallait au bêta. Mais bangamona mnomba le bito bomanaté entre bisso congolais, ça veut dire quoi? Tobo manaté. Donc on peut discuter, non? On n'est pas des dictateurs, on n'est pas des extrémistes. Il y a des gens qui me suivent s'ils sentent que je suis extrémiste. Mais si vous sortez, vous faites des snaps, bon lui qui a au bêta nanko, parce que à rozo mbon wana au sala ceux qui don wapi. Et mbon wesa combien fallait au côté ça combien. Alors ça, bah, donc, combien fallait ça avoir besoin? Nambon a fallu, moi, on a possible faire le don. Tant qu'il fallait que ça a don et pas d'autant, il y a demandé de l'argent à qui? 15 millions et boumé caméra, il y a qui sont aujourd'hui 15 millions, tout ça, là, bah, dont t'es dans l'hôpital. Et d'abord, qui organise, qui sponsorise, qui est le sponsor de ce concert? Tout bah, non, voilà. Bah, petit, on a mon ami, bah, on a mon ami, on va sponsor. Tout bah, on va tirer parti, on va ma partenaire. Ils ont versé combien? Est-ce que ça a l'air dans l'administration mixte, il fallait combien? Voilà, il y a des problèmes qui sont tellement bêtes et sur lesquels nous ne devons pas gaspiller nos énergies. Et pendant tous les ans, on a sérieux, Félix Azo Tambola, et la situation à Minembo, nous on vient là, il fallait combattre le 28, peu importe. Moi j'étais parmi les gens qui voulaient travailler pour que les Congolais comprennent qu'on ne doit pas s'entretuer entre nous. Pour moi, c'est moi c'est Muninga Azati. Si vous voyez que ça concerne ma case, c'est-à-dire que ma maman va vous aller. Ma jeune va vous aller. Tout vous aller. Mais au moins, dans la réunion, on a Esso, commandant Esso, que je salue. Azo qui parle à Abi. Tout ce qui est combat, on est massique. Tant que vous avez un coup à la terre. Au moins, si vous avez un coup à la terre, vous avez un coup à la terre. 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 C'est pas de la rigolade. Pendant ce temps que nous on passe le. Au moins, nous avons tout cela comme ce soir dans le sud de Kiv. Mais pendant ce temps, ils sont au front, ils sont au Bunda, ils sont au Koufa. Non seulement que ça, mais ils ont ça concerne ma casse, ils ont mis tout le coffre. Et des gens qui meurent à Béni. Qu'est-ce que Martin Fayol avait dit en constatant le dégât qu'il y a à Béni? Il dit pas de RDC sans Béni. Et pendant que ça nous préoccupe, très tard, je dors très tard, je me réveille très tôt, parce que au courant, je dois appeler tous les coins de la RDC. Et yo zéro bête sanga musique nan kopo na manda robina et puis robin ndule yo zonga to robina parce que mboke bongi demande ba tozana Kinshasa so mboke bongi yo tinde sou mboke te voilà c'est combattable combattant intelligent en tout cas quand ndenga lobi et moi aussi ma gros bac ça gagne comme moko vite fait donc bande ko makambo ko zoya na ngamba ngamba mutu na lobaka ngona ba kala ba mission na sala et c'est un dialogue
L'église catholique, là, Félix va servir de conciliation ou quoi? Ah, continuité, c'est ça, je sais que. J'ai un ami à sa psychologue, il dit toujours quand vous voulez cacher un secret à un Congolais, ou quand vous voulez cacher de l'argent à un Congolais, prenez cet argent, mettez dans un livre. Déposez le livre sur la table. Vous serez au moins sûr qu'on ne touchera pas ce secret. On ne touchera pas à cet argent parce que le Congolais ne s'intéressera pas à ce livre. Nafashé Mabé. J'étais énervé, j'ai dit, mon frère, tu ne peux pas insulter le Congolais comme ça. Je remarque que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont de la peine pour tout ce qui s'appelle lecture. Mais on vous dit qu'il a ratifié l'accord cadre. Il était parti pour la ratification de l'accord cadre. C'est-à-dire que l'accord où il n'y a qu'à ratifier, c'est Salamaki. Salamaki quand ? En 2016, entre Kabila et le Vatican. Mais ce n'était pas ratifié, ce n'était pas signé, parce que le Saint-Père, donc le Pape, ou Vatican comme État, n'était pas favorable au troisième mandat de Kabila. C'était la condition qu'on lui avait posée. On accepte, mais on n'accepte pas ton troisième mandat. Donc, on signera avec le président qui va te remplacer. Et comprenez le soubassement. Ce n'est qu'une continuité de ce que Kabila a fait. Si Kabila n'avait pas entrepris cet accord cadre, Félix ne le signerait pas. Premièrement. Et deuxièmement, Félix a été d'abord à la création, comme cardinal, en fait, je répète, le cardinal Ambongo. Qu'est-ce qui dit que le cardinal Ambongo n'a pas joué dans les couloirs du Vatican par ses connaissances pour rendez-vous et Salem? Parce que, au lundi, TV5, va bien une tentative de rapprochement et de réconciliation. Il cherche à se réconcilier avec l'Église catholique, comme État, pas seulement comme Église. Écoute, tous ceux qui ça a beaucoup traîné, ratification, c'est juste à la colère du Vatican. Naba sacrilège, naba massacre et salamaki. Donc il n'y a rien de spécial. À quel Vatican, comme État, quand vous considérez, quand vous visitez le Vatican, un président dans l'errance et l'itinérance pendant que son peuple se fait massacrer. Le Vatican est attaqué. Au Tamboula, il y a des États-Unis, il y a la France, il y a la Belgique. Comme s'il n'avait rien à faire. Plus d'une trentaine de voyages dans un état en crise. Et demain, à Londres, pour la Lobina Tongo. Après Londres, tu es tout au monde à Rousoutra, l'Australie. Et tout ça, moi j'ai dit, à moi qu'on me prouve le contraire, c'est pour des frais d'émission. Mais ce pays, avec tous ces massacres, un président sérieux, fois 20 ans, dans ce pays-là, il y a beaucoup à faire. Mais c'est le président qui a battu le record de tous les voyages de tous les présidents à Mkili en une année. Plus d'une trentaine de voyages en une année. Et quand on lui dit, chaque voyage a coûté autant. Depuis, ça combien? Et ce voyage-là va nous coûter combien? On parle des enseignants qui sont impayés, on parle des policiers impayés, on parle des gens qui ont des arriérés de salaire. Mais on ne nous dit pas, et ça rapporte combien chaque voyage? Donc l'Église est une force, est une puissance diplomatique. Voilà pourquoi Félix a profité de ce voyage pour inviter le pape en 2021, parce que 2021, la présidence de l'Union africaine sera entre les mains de la RDC. Pas Félix, mais c'est la RDC. Parce que ce n'est pas par président, c'est par pays. Alors que dans l'agenda papal, a revoyagé quand on a 2022 dans l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, vous oubliez que suite au conflit, le massacre où ça amène à l'église, le pape devait visiter la RDC. Donc certains pays, parce qu'il devait partir à Malawi, je crois, Tanzanie, île Maurice, il devait passer par la RDC. Décembre 2017, Kabila Bomi Batuna ba église. Début 2018, Kabila Bomi Batuna na ba église, le pape a annulé le voyage dans la RDC. Ce qu'au Félix, soit organisé voyage, c'est deux choses.
proximité avec l'église, mais en même temps sauver la souillure ou nettoyer la souillure que Kabila a laissée dans ce sacrilège avec le massacre dans les églises. C'est aussi simple que ça. C'est contenu dans les documents. Allez dans Radio Vatican, allez dans Observatore Romano, qui est le journal de l'Église catholique. Lisez, vous verrez qu'il n'y a rien de grave. À qui qu'on ratifie ce que Kabila a déjà commencé. Ce qu'on suit livre, c'est le Congolais. C'est ça le problème. Nous nous efforçons de lire pour vous et de venir vous dire et voilà, moi je me suis donné péniblement la tâche de communicateur. À ça n'est l'autre. Il est dans la continuité, comme on dit. Merci, Je vous ai dit que j'ai le Coran au proche à Fali, parce qu'on va être à conseil, ils étaient là. Bah Jimmy Bazalaki, bah Barabas Bazalaki. En tout cas, des questions. Bazalaki, c'est moi qui et c'est moi qui donne le port, c'est moi qui ai donné la parole à Jimmy le Coran. Parce que pour moi, bah ils sont matrices, bah j'ai ma parole. Moi, si vous pensez que ma parole t'es, et là on va te dire bah on comprend t'es. C'est pas que nous on avait besoin d'eux là-bas que tout le monde conseille aux gens. Au moins nous tous ensemble argument. Il a parlé pendant 10 minutes. Il a écouté débordé, moi je lui ai dit, Koki, Rex, moi je n'ai pas vu Rex, premièrement. Mais je peux te dire sincèrement, Rex n'a pas bien. Rex, c'est quelqu'un qui me considère, il me montre de la considération, tout sur l'aka, et puis il a son point de vue. C'est pas parce que tout sur l'aka qu'on a le même point de vue. J'ai peut-être la chance, je vais belé, même à ta Nabil, ma conseiller Fati. Et Bélo n'a eu pas ça, et Bélo n'a pas eu ça. Attends, on a balayé qui bangoua, on a eu ça. Il y a émission, il y a président de bangoua, émission à bidon. Et Bélo m'a appelé, Bélo. N'a pas eu ça, c'est le bon boulot pour qu'il y ait des copes. N'a pas eu ça, c'est le bon cop. Mais dans le cadre de la cop, je leur dis très sincèrement, Ndeko, dans ça, il y a un point de vue qui n'a pas noté. Je ne parle pas seulement de Bandekoua, je peux te parler de la famille de Tshisekedi aussi. Qui certains osent m'appeler, je leur donne mon point de vue. La liberté n'y est dans le respect. Je leur montre que dans la logique, ma belle RDC à combat. Donc, je suis un peu plus de temps. Tout n'a eu, mais ma question, c'est tout bon, tout n'a pas. Passeport, Anan. Passeport congolais, on a parole Félix Aloubaka, qui est le salaire à discours, mon cala. Aloubaka, passeport congolais, qui est le passeport le plus cher du monde. Mais le lot, Félix attaque le président. Passeport, on est à la même prix, il y a le plus cher. Hier, c'est soir, il y a eu Londres, il y a eu des conférences à Osaka, il y a eu des questions à la cour. La fois passée, d'abord, on avait vraiment besoin de soutien. Et j'insiste, on a besoin de soutien financier. Pour la raison matérielle, surtout, ordinateur n'est pas performant. Bande comme Soussou qui nous ont appelés, je vous dis déjà grand merci. Je dis ici qu'on a grand merci. Et vraiment, le numéro n'a pas besoin de lobby. C'est important pour nous. Chaque fois, tu as amélioré la qualité et l'image. Mais dans le monde, on a lobby à Ming. Surtout, je ne sais pas si un salaire invalidé. En tout cas, j'aurais besoin de vos points de vue. Dans la PC, de vous personnellement. Mais autre chose, je voudrais remercier particulièrement
Je travaille quand même à côté. J'ai une équipe de travail. Et toi, tu as dit que les jours à venir, tu as créé une Star Net TV concept particulier à Moussoussou. Tu as trouvé une idée constructive. Je suis bon que ça. Je suis bon que ça. Et tu as un concept vraiment particulier. Je vous remercie particulièrement. Bandeko Bazara, Nanga tout le temps. De près de Bazé Bélé. Et le bosso, vraiment, je remercie Billy Smith, auquel je dis encore joyeux anniversaire, pour faire ça, anniversaire à Nayelobi. Dimer, Nabé Ake Bazarière, joyeux anniversaire. Bandeko Nyonso, je dis Bazé et Bélé, on attend à Bakombo, Mama Coco, coach. Mais là, on s'en appelle Bandeko et Hollande, surtout, Bazan a coordonné à vieux Nanga Jacques Massengo. Ça fait plusieurs mois dans Zoluka, vieux Jacques Massengo, je répète, sur l'andanga vieux Benganga pour l'instant numéro on a été, babi dans Zoluka en Belgique, j'ai vraiment besoin de lui. Après, Bandeko Nyonso ya basi, ya mibali, je dis on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de votre soutien. Il faut qu'on travaille ensemble. Moussa Moko Soukoulara et Longitende Toloba. Vraiment, on a été reconnaissant. La Bandeko ba agissaka. Oba Sungaka, Oba Bengaka. Je ne sais pas citer vos noms. Je dis que le combat continue. Nous devons mettre un terme à la combat au thé. Ce qu'on a encore dit avec M. Mouzitu, l'homme sur le bandit, le roi Moïse, tant sous terre promise, il soit au côté. Voilà. Juste, j'insiste. Toujours, je l'ai dit. Bilo Mibale. StarNet TV, c'est un bisou. Abonnez-vous. J'insiste, abonnez-vous. Deuxième chose, ma vidéo, je suis au talent, vraiment. Et enrichir un gars. On ne le fait pas pour une, deux personnes. Yopé na batunao na réon na yo. Partagez. Aujourd'hui, partagez. Na Facebook, partagez. Na WhatsApp, partagez. Bonsoir, na mona ki, je vous félicite sans que naïba. Nga mona mona yiba kote yanga na groupe la discussion Zeble Congo Facebook, que, WhatsApp que je n'ai pas créé. J'ai vu des discussions sur nos émissions. Non seulement partagez, créer des groupes. Faites aussi vos remarques et vos suggestions. Batem Moussou Bozan en a besoin, on prendra le temps de travailler. Que les Congolais restent unis. Au moins, les Congolais qui aiment la RDC. Et battons-nous ensemble. Sautons ensemble, nous avons longue absurde. Pour sauter, dès que tu as ensemble, tu as un conseil au bétaté, bétaté. Dès que tu as ensemble, tu as que nous avons la balkanisée. Vous n'aurez pas notre Congo. Le Congo nous appartient. Tout le monde en a ensemble. En tout cas, Ingeta. Ingeta, merci, combattant Zimbé. Merci, merci encore une fois. Tu es joyeux. Là, c'est le week-end, nous sommes joyeux. Tu es joyeux. Tu continues toujours. Bah émission Abisso, nous on va toujours abonnez-vous dans StarNet TV parce que bah émission vous vous aurez ni par ailleurs à Waka, la StarNet TV, la combattant ziblé, la bande de consu tu yambaka et bélé, tu l'obé la kaka politique à la top FM, tu l'obé la kaka soutenir, tu l'obé toujours. Tu l'obé la kaka moussala tu ok, non, mais pour nous rappeler, bah tu l'émission Abisso de l'autre, tu l'obé la balkanisation, tu l'obé la élection, les cas qui bah député ou bah qui malheureux pour bien dire. Bazasiko, Bazoko m'a payé calamité par Félix et Kabila. Tout le belli marche il y a balkanisation où il mis le lion à Paris. Tout le belli peut Félix arriver dans le Vatican. Ni na yoko sa la pona tout le belli on a combattu ziblé. Ou etikali tout le belli Nicolas Koya week-end Koya tout le zoom la sous tout ça la toujours on s'en a combattu ziblé. Merci la bienvenue sur merci. Léo Messana connexion à StarNet TV, na Top FM. Merci na PDG Mayala, babi image ni image, mais on le verra toujours. Donc ça les autres ça ma kitoko partout donc ben monsieur kitoko ba image à kitoko kaka na StarNet TV donc. Toko baba abo toko ba peka abo. Merci na Evalon Mayala sans oublier Eric Fundi pour ça la pour ça là. Hein maman Karim Mobila dit là merci na Yoma sans oublier mauvais Théo Mifuba la Makelen. Merci. Merci na Aya Théo Maïla, merci na JC Boko de Lini Boko, merci na mon vieux Tony Mazoua, maman Solange Mazoua, sans oublier mon papa Roger Nzel la Maline, toujours, toujours, Babil, la femme légitime, maman Émeraude, hein, Yanda Koukoua. Merci, merci na Binou Nosso, mais ça la roule à la bise, c'est qu'elle a toujours pensé dans StarNet TV, hein, la Koubo Sonate, Bilis Limits, Balobi, bon anniversaire d'ailleurs, toujours, mon salut de ça, allez, au prochain numéro.